Coucou tout le monde. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre. Bon, c'est pas grave. Alors je vais mourir. Alors aujourd'hui on va faire un petit vlog. Alors en ce moment je fais beaucoup de vlogs, tout simplement parce que j'aime ça et que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc voilà, en ce moment je les enchaîne un peu. Mais bon voilà. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'est un vlog avec Azaro. Oula. C'est un vlog avec Azaro. Donc en fait mon copain m'a laissé au centre équestre toute la journée. M'a laissé au centre équestre toute la journée parce qu'il pouvait pas m'accompagner. Et il fallait que je voie Azaro, donc voilà. Donc j'étais au centre équestre toute la journée. J'ai donc mangé au centre équestre comme vous l'avez vu en vidéo. Et là je vais chercher Azaro au pré. Je vais lui faire un gros pincage. On va faire un peu de longe. Je vais le longer aujourd'hui parce que je peux pas le monter quand il n'y a personne qui me surveille. Vu qu'il n'y a vraiment personne aujourd'hui au centre équestre, voilà. Il ne faut pas que je monte quand il n'y a personne qui me surveille. Donc voilà, donc je vais le longer. Excusez-moi, je suis essoufflée. Je vais le longer et je vais le refaire un pincage après. Et ensuite je vais le remettre au pré. Et je vais passer un petit peu de temps avec lui au pré. Voilà, rien d'exceptionnel. Mon copain revient me chercher vers les 17h. Là il doit être 13h, 13h30. Donc voilà, ça fait une grosse journée avec Azaro. Je vais essayer de prendre mon temps à la longe et tout ça pour faire les choses bien. Je vais essayer de vous filmer ça. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc là j'arrive au champ d'Azaro. A tout de suite. Alors je viens d'arriver au champ d'Azaro et mon loulou il est là. Oh mon cœur. Regardez. Coucou les copains. Oh mon loulou. On t'embête. Oui, t'es bête. Voilà le loup. Donc voilà, il est là le petit loup. Je suis chargée comme un mulet moi. Je vais le prendre et je vous reprends tout de suite après. Voilà. Je suis avec le loup qui est juste là. Il y avait un espèce de frelon en fait qui essayait de le piquer. Mais genre le frelon, il avait le... Enfin je sais pas comment... Le dard en fait qui était vraiment fixé sur Azaro. Et le frelon essayait de le piquer et Azaro il était super en colère, enfin il était super énervé. Du coup il m'a réservé un accueil pas très chaleureux. Mais du coup oui, j'ai réussi à chasser le frelon qui essayait de le piquer. Et après ça a été mieux Azaro, du coup voilà, il va mieux. C'était une crise avec un frelon, faut pas chercher à comprendre hein. Quand il y a un truc qui saoule Azaro, même si c'est pas moi, il s'en prend à moi. Non, je vous assure, il a rien fait de mal. En fait, quand je suis arrivée, il est parti, alors que d'habitude, il le fait jamais. Mais là, il est parti parce qu'il y avait un frelon qui l'emmerdait. Donc voilà. Donc là, je l'emmène au stade, je vais lui faire un pansage. Et ensuite, je vais le longer. J'espère qu'il sera bien aujourd'hui, qu'il fera pas un peu son guignol. De toute façon au pire c'est pas bien grave hein. Oui donc voilà. Alors là je vais longer Azaro. Donc j'ai pris mon réflexe pour avoir une meilleure qualité, donc c'est pour ça que la qualité a changé. Le loup il est là. Je vais le longer un petit peu. Et voilà. J'ai mis mes gants. Et voilà, on y va.
Alors c'est bon, on a fini l'exercice avec, enfin la longe avec Adzaro. Comme vous l'avez vu, Adzaro me sent les fesses. Comme vous l'avez vu, au début il était très très raide et en fait je l'avais mis dans un cercle vraiment très très grand. Donc en fait j'aurais dû lui faire faire des exercices d'assouplissement au début, mais j'y ai pas pensé. La prochaine fois j'y penserai. Regardez comme il est tout mouillé. Mais après ça a été mieux, donc je l'ai fait sur un grand cercle au début pour qu'il puisse un peu s'échauffer, on va dire ça comme ça. Et ensuite, vu que j'ai vu qu'il n'était pas très réceptif sur un très grand cercle, en fait si vous voulez, il en profitait un petit peu parce que vu qu'il est loin de moi, du coup on va dire que j'ai un peu moins d'influence sur lui. On va dire ça comme ça. Donc du coup en fait je l'ai repris sur un cercle beaucoup plus petit pour que pour le faire bouger, pour dire c'est bon Adzaro, là on finit les conneries. Donc je l'ai mis sur un cercle beaucoup plus petit et il était beaucoup mieux comme vous l'avez vu. Il était vraiment concentré, il était vraiment bien. Il cherchait à mettre le nez par terre et il était vraiment bien engagé, donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur un cercle beaucoup plus petit à la fin. Comme vous l'avez vu, piste à main droite, je crois. Attendez, oui, je crois que c'est ça. Piste à main droite, il a beaucoup de mal parce que c'est ça. C'est le côté où il a vraiment le plus de mal. Donc voilà, c'est pour ça qu'après j'ai refait un petit tour de main gauche pour lui dire que c'était bien. Et voilà. Regardez comment il a sué. Il est tout transpirant le loup. Ah bah oui, hein. Avec Colline, ça rigole pas, hein. On bouge. Donc voilà, donc on a fini pour aujourd'hui, je vais le laisser sur ça. J'aime bien travailler à Adzaro à la longe, vraiment très régulièrement, tout simplement parce que c'est bénéfique pour eux. Enfin, je trouve ça assez bénéfique pour eux, ça leur apprend à respecter la voix, à les ordres au niveau de la voix, ça... et puis ça leur fait un exercice, ça leur permet de muscler leur dos sans qu'il y ait un cavalier sur leur dos forcément. Donc voilà, je trouve ça pas mal, c'est pour ça que je... longe assez régulièrement Adzaro, donc pas tous les jours non plus parce que sinon voilà, au niveau des articulations ça peut être assez dangereux, on va dire ça comme ça. Mais voilà, de temps en temps c'est vraiment bien. Donc comme vous avez vu, je lui ai acheté un nouveau mort pour changer un petit peu parce qu'apparemment c'est bien de changer de mort en fait si vous voulez de temps en temps. Donc je vous mets une explication en barre d'infos. Avant Adzaro il avait un mort Stuben Golden Wings, donc je vous mets une photo ici. Et je lui ai acheté là un mort à aiguille double brisure Apple Moth. Donc en fait si vous voulez c'est un mort avec de la résine à aiguille qui a un goût de pomme. Et en fait tout le monde m'avait dit que ouais fais gaffe sinon Adzaro il va vraiment croquer le mort et puis ça va vraiment l'abîmer. Et là franchement il a pas du tout cherché à croquer le mort, au contraire il était vraiment bien avec. Enfin je l'ai trouvé vraiment bien avec. Après à la longe et en monte c'est complètement différent, donc je verrai à la monte comment il est. Mais là je l'ai vraiment trouvé très très bien avec ce mort là à la longe, donc je garderai ce mort là à la longe. Donc je vais lui faire un gros pansage et je vous dis à tout de suite. Donc on l'a ramené au pré, ça y est. Lolo, me suis pas, je te prends vite. On l'a ramené au pré, enfin je l'ai ramené au pré. Donc je lui ai graissé les pieds comme vous l'avez vu. Et je lui fais un gros pansage. Donc voilà, il est tout beau maintenant. Donc c'était vraiment une bonne séance aujourd'hui en longe. C'était vraiment très très positif, j'ai trouvé. Sauf au début où c'était un peu raide tout ça, mais après ça a vraiment été très très bien, donc voilà, une séance superbe. Je vais arrêter le vlog aujourd'hui parce que tout simplement je n'ai plus rien d'autre à faire, je n'ai plus rien d'autre à vous montrer surtout. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog. Gros bisous.